tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo un petit peu plus spéciale. J'ai décidé de faire mon bilan, mais cette fois-ci, c'est mon bilan de l'été au complet que je vais faire. Donc mon été, ça se situait du 1er mai au 31 août. Donc c'était 4 mois parce que j'ai terminé les cours le 30 avril dernier. Donc c'est pour ça que j'ai un beau 4 mois de vacances. Donc j'ai décidé de faire un top 3 des livres que j'ai lus cet été. Cet été, j'ai lu en tout 29 livres, ce qui est énorme. Si on regarde les deux dernières années, en 2012 et 2013, j'avais lu environ 25 livres. Seulement en 4 mois, j'ai réussi à dépasser le nombre de livres total que j'avais lu en 12 mois pour les deux dernières années. Donc, je suis super, super heureuse. Et puisqu'on est dans le sujet du Reading Challenge de Goodreads, je veux vous annoncer que j'ai officiellement atteint aussi mon objectif. Donc, je m'étais mis comme objectif de lire 50 livres dans toute l'année et j'ai réussi à atteindre mon objectif avec mon dernier livre lu au mois d'août. Donc, vraiment, là, cet été, le dernier livre que j'ai lu de l'été, c'était mon 50e livre. Donc, j'étais super, super heureuse. Voilà. Je vais maintenant vous présenter les 3 livres que j'ai décidé d'inclure dans mon top 3. J'ai lu beaucoup de livres cet été, des bonnes et des moins bonnes lectures. Il y en a eu vraiment pour tous les goûts. Mais j'ai réussi à sortir quand même 3 livres ou 3 séries, parce que vous verrez ça un petit peu plus tard, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cet été. En troisième position, j'ai choisi un livre de mon auteur chouchou du moment. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez qu'il s'agit de Jennifer L. Armentrout. J'ai choisi comme livre White Hot Kiss, toujours de Jennifer L. Armentrout, je viens de le dire. Donc, je voulais choisir le quatrième tome de la série Lux qui est Origin. Sauf que techniquement, j'ai commencé ce roman-là au mois d'août, mais je l'ai terminé au mois de septembre. Donc, il ne pouvait pas compter dans mes lectures de l'été, malheureusement. Donc, j'ai dû me rabattre sur mon deuxième choix. Mais je dois quand même dire que même si c'est dans mon top 3, c'est que je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est le premier tome de la série The Dark Elements. Non, le tome 2 va sortir au mois d'octobre, que j'ai précommandé. Donc, c'est un livre que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. C'est du paranormal. J'ai vraiment, vraiment adoré. C'est des histoires de gargouilles. On n'en voit pas beaucoup. C'était très original comme sujet. Il y a un triangle amoureux dans ce livre-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand c'est bien fait et j'ai bien aimé celui-là. Donc, c'est pour ça que je lui ai attribué la troisième place de mon top 3. En troisième position, j'ai choisi une série parce que, sincèrement, j'ai pas été capable de choisir un livre parmi les 5 de la série que j'ai lu, et comme ils se ressemblent tous, j'ai décidé de prendre la série au complet pour la deuxième position de mon top 3. Donc j'ai pris la série Les Idoles du Stade. Évidemment, moi je vous montre le tome 3 parce que c'est celui que j'ai en ce moment avec moi en format papier, qui est les règles de l'engagement. Même si sur les 5 que j'ai lus en tout cet été, c'est celui que j'ai aimé le moins. Bon, détail. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'écriture de l'auteur dans tous les tomes que j'ai lus. J'ai adoré tous les couples, certains plus que d'autres. C'est sûr et certain que je vais continuer la série très bientôt. C'est très rafraîchissant comme lecture. Ça change les idées. C'est... Oh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cette série-là. Il y a seulement 3 tomes qui sont parus en français pour le moment. Moi, j'en ai lu 5, donc j'ai continué la série en anglais parce que je pouvais pas attendre la sortie des tomes en français. Je sais pas quand est-ce que le tome 4 va sortir non plus, le tome 5 encore moins, et ceux d'après encore moins, encore moins. Donc, je vais continuer la série en anglais, évidemment. Voilà. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui qui occupe la première place. Donc, parmi les 29 livres que j'ai lus cet été, j'en ai choisi un que j'avais préféré à tous les autres. Il s'agit de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc, c'est le premier tome de la trilogie. C'est des romans compagnons. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce tome-là. C'était un coup de cœur. Je crois que j'ai 2 ou 3 coups de cœur pour le moment. J'ai presque 60 livres de lus cet été, cette année en fait. Et puis je crois que j'ai juste 2 ou 3 coups de cœur pour le moment cette année. Ça en fait partie, c'en est un. Parce que sincèrement, si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, parce que vous n'avez aucune excuse si vous ne l'avez pas encore lu, parce qu'il est sorti en français aussi,
Ah, oh, jetez-vous dessus. Sincèrement, là, c'est merveilleux, ce livre-là. j'ai voyagé avec ce livre-là. J'ai adoré les personnages. Je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec les personnages. La ville de Paris, avec tous les personnages secondaires aussi. C'est... Ah, oh, j'ai adoré, adoré ce livre-là. Donc, je vous le conseille vivement. J'en profite également pour vous dire un petit mot avant de terminer la vidéo sur mes différents défis que j'avais un petit peu cet été en cours et cette année. J'avais ma pâle de l'été, dont j'avais fait une vidéo au début de l'été, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez aller la visionner. Je vous avais parlé de 13 livres que j'apportais avec moi chez mes parents et que je voulais lire. Donc sur les 13 livres que j'ai apportés, j'en ai eu 5. Ce qui n'est pas si mal. J'avais un très bon rythme pour ces livres-là jusqu'au début du mois de juillet. Mais étant donné ce qui m'est arrivé, mon petit accident au milieu du mois de juillet, j'ai pas vraiment repris des livres de cette pâle-là. Malheureusement, après ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de prendre des livres que j'avais envie de lire. Et puis, j'ai un petit peu moins pigé dans les vieux livres. Et puis, voilà. Donc, 5 livres sur 13, c'est tout de même pas si mal. En terminant, je voulais vous dire un petit mot sur mon défi à bas la poussière en 2014. C'est un défi que je m'étais lancé au début de l'année pour vider ma page. Je vous mettrai le lien vers la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc sur les 10 livres que je m'étais fixé comme objectif, j'en ai lu 5 pour le moment. C'est pas si mal. Encore une fois, ça l'a un petit peu stoppé à cause de ce qui est arrivé un petit peu cet été. J'avais un bon rythme. Habituellement, j'en lisais un par mois. Il faudrait que je m'y remette. J'en ai 10 en tout que je vous avais présenté. Je crois que ça va plus tomber à 9 en ce moment parce qu'il y a un des livres qui je me souviens plus du tout à quoi ressemblait le tome 1. Donc c'est très difficile pour moi de lire le tome 2. Puis je suis même pas certaine que je vais continuer la série finalement en y repensant bien. Donc ça va être à voir. Donc on va dire que j'ai lu 5 livres sur les 9 que je voulais lire. Je veux absolument terminer ce défi-là cette année parce que, oui, il faut que je vide ma page, surtout qu'elle a augmenté de peut-être, je sais pas moi, 50 livres cet été, peut-être même plus que ça. Donc, oui, oui, il faut absolument, absolument que cette page-là soit vidée à la fin de l'année 2014. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo aussi rapide sur mon bilan de mon été 2014. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! I'm searching desperate for